Donc, méditation au soleil pour bien démarrer notre journée, pour réaliser le meilleur, pour se relier donc à la divinité et accomplir sa journée avec lui, avec elle. Notre regard au centre du cercle sur la petite femme. Doucement, laissez nos yeux se fermer. Avec la petite flamme à l'esprit. Nous pouvons bien sûr toujours commencer cette méditation par une salutation. Relâchons bien tout notre corps, nos épaules, nos bras, notre bassin, nos jambes. La respiration est calme. Je suis présent ici et maintenant, dans mon corps et dans mon souffle. Alors maintenant, je vais m'imaginer dans un endroit magnifique, un endroit que je connais peut-être déjà, ou un endroit que je peux totalement imaginer à ma manière, un lieu en pleine nature, lors d'une très belle journée, installé face à l'horizon est. Juste avant le lever du soleil. Juste avant le lever du soleil. Le jour se lève et je devine derrière l'horizon le soleil, la lumière du soleil qui déjà, derrière l'horizon, éclaire la nature, apporte sa lumière. Le jour se lève tout doucement. Et moi, je suis installé confortablement dans ce lieu. J'imagine. La nature est autour de moi. J'imagine. Voilà, je suis bien installé, la nature est autour de moi, en face de moi un bel horizon, complètement dégagé. Et la lumière grandit, grandit peu à peu, et plus particulièrement en un point de l'horizon, où la luminosité devient plus importante, j'imagine. Derrière l'horizon, je devine la boule de feu, la boule de lumière,
qui ne va tarder à apparaître, j'imagine. En un point de l'horizon, la luminosité devient plus forte, j'imagine. Jusqu'à voir maintenant les premiers rayons de la boule de lumière apparaître et dépasser l'horizon tout doucement, j'imagine. Les premiers rayons de lumière touchent mon cœur, touchent mon âme. Touche mon corps. Et je vois tout doucement le soleil, la boule de lumière, de feu, apparaître tout doucement, pas à pas. Elle dépasse l'horizon, j'imagine. Elle illumine le monde, elle éveille la nature, elle éveille mon esprit. Les oiseaux chantent, se mettent à chanter. La nature s'éveille et moi avec. Je reçois l'énergie du soleil qui peu à peu dépasse l'horizon. Il touche mon cœur. Il touche mon âme. Jusqu'à voir le soleil complètement dépasser l'horizon. Et je vois maintenant cette boule de feu posée sur l'horizon, face à moi. Et je rentre en contact avec lui. Je communie avec lui. Méditation. Sa lumière touche mon corps. Touche toutes mes cellules et je laisse faire sa lumière pour énergétiser, purifier, harmoniser toutes mes cellules, tout mon corps, mon esprit et mon âme. Méditation. Toujours face au soleil qui tout doucement monte dans le ciel, face à moi. Sa lumière devient plus intense et éclaire tout mon corps, illumine tout mon être.
et je laisse faire le soleil sur mon corps, sur mon être, jusqu'à rentrer dans une bulle de lumière. Je prends un bain de soleil énergétique et spirituel. Méditation. Harmonisation, énergétisation de tout mon corps, de toutes mes cellules, toujours face à lui, dans sa lumière. Méditation. Alors maintenant, présent dans cette bulle de lumière face au soleil. Le soleil maintenant est monté dans le ciel. Il est un peu plus haut, il est face à moi. La nature chante. Le jour s'est levé. Je sens son énergie dans toutes mes cellules, dans tout mon corps, dans mon esprit. Je suis comme lui. J'ai la même identité que lui. Je suis aussi une sphère de lumière qui rayonne. Le centre de mon rayonnement, c'est le cœur. C'est le centre du cœur. Le soleil est en rapport avec le cœur, avec l'amour inconditionnel. Il nous le montre tous les jours en nous donnant son énergie et sa lumière, sans rien en retour, sans attente de quoi que ce soit. Juste être et donner et rayonner. Être, rayonner, donner. Nous, c'est la même chose. Nous pouvons être
rayonner, donner depuis le centre du cœur, qui correspond d'ailleurs au soleil, depuis le centre du cœur, le centre de l'amour inconditionnel. Depuis ce point, depuis ce point où se localise le chakra du cœur, une sphère de lumière, je peux rayonner, être, rayonner, donner. Je suis moi aussi un être de lumière, une sphère de lumière et d'énergie qui peut rayonner à l'infini, donner de sa vie, donner de son énergie, donner. Alors maintenant, je vais mettre ma journée, et je rends grâce pour cette journée qui m'est donnée, je vais mettre ma journée, cette journée, dans la lumière. Juste la mettre dans la lumière, ou aussi je peux la visualiser, voir que tout se passe parfaitement bien pour moi. Tout au long de cette journée, imaginez et rêvez le meilleur. Voir que je passe une merveilleuse journée. Maintenant, je mets cette journée dans la lumière où je l'imagine merveilleuse maintenant.
Gratitude pour cette merveilleuse journée qui nous attend. Ma journée est dans la lumière. Ma journée est de lumière. Gratitude. Et comme le dit Swami Chidananda, je vais faire en sorte que je sois différent ce soir. Faire en sorte de donner le meilleur pour cette journée. Faire en sorte que la divinité puisse au mieux s'exprimer au travers moi. Belle journée à tous. À partir de maintenant, chacun termine sa méditation selon son rythme, selon ce qu'il ressent. Et vous pouvez bien sûr terminer par une salutation et quitter ensuite tout doucement la salle tranquillement. Belle journée à tous. Thank you.